Bonjour à tous, c'est Letty Dragon et on se retrouve pour la suite du Let's Play de Own Metal épisode 4. Et bah j'espère que vous allez bien. Donc bah du coup voilà, on va continuer à s'arrêter la dernière fois. On avait créé le mouchoir pour endormir les gardes. Donc et bah c'est parti. Allons-y gaiement. Alors. Voilà, faut que ça dure 3 secondes. C'est un peu long mais. Oula. Ah putain, je crois qu'il y avait un bug. Oh. Ok. On va le cacher là, lui. Tac. C'est parti. Ok, on est en bas, là. C'est quoi, ça? Il y a une citrouille. Pochette à munitions. Pochette à munitions. Vous pouvez stocker une balle supplémentaire pour chaque pochette de munitions. D'accord. Ouais, si vous voulez, hein. Je suis où là, putain? Oula, c'est bizarre, hein, comme c'est fait là. Mais what? Mais attends, mais ils ont mis ça parce que c'est Halloween là ou? Pourtant, j'ai pas une mise à jour, je crois pas. Ou c'est comme ça dans le jeu de base? Je commence à me poser des questions. Attends, comment on recharge déjà? Je sais même plus comment on se met à tirer dessus. Je sais plus comment on fait. Attends, ça, je vais mettre ça là. Ah, mais on revient là, regardez. Ça rejoint là. D'accord, mais attends, mais pourquoi j'ai fait ça là? On doit faire quoi? Au troisième étage. Oui, c'est vrai qu'on a fini en tôle, du coup on était ressorti. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué, donc c'est vrai que je suis un peu perdu. Ah voilà. Oui, on s'était fait attraper, ça me revient. Troisième étage. On est au combien là? Troisième étage, ok. On est bon. Ok, sauvegarde. Ah, il faut une carte verte. Mais what? Il y a des sources partout. Thermal sensor. Those thermal sensors have a detection angle of 90 degrees. And it would sense the heat of my body, like the predator. They obviously wouldn't detect through the tall brown boxes in the facility, so I could hide from them like how I've been sneaking around the guards. But ouais. The containers weren't everywhere. Any wide open areas were a problem. That's when I thought to call the colonel, where I'd learn a way to trick the sensors. Okay, le colonel, on va l'appeler colonel. Colonel, do you copy? Copy. I'm on the third floor. This is where the offices should be. Search for more files. We need more intel about the attack. That's not going to be easy. In the middle of the night, those offices should be empty. Haven't seen anyone yet, but there's a thermal sensor. I can't proceed without setting it off. Do you have any ideas? In the army, we use insulating suits to conceal our body temperatures. J'ai pas tout compris là. Ouais. Ah, combinaison antithermique. Ouais. Ça. Ah oui, ça passe. I knew better than to punch while wearing the suit. Se déchirer. Ah merde. Bad news. No punches while wearing the suit. Good news. Scoring more points with the doctor. Effectivement. Ok. Bon bah. Ah, mais attends, je suis bloqué. Ah oui, attendez, je me rappelle que là, le capteur, il allait pas ici. Voilà. Pile. Qu'est-ce qu'on va faire d'une pile? Ah, comme ce jeu vidéo. Une triple A. Ah, pas mal, pas mal.
c'est sympa. Ah, là par contre. Merde. Attends, il n'y a pas une technique pour savoir. Si quand on a Metal Gear, il faut faire de la fumée. Ah, attendez, la cigarette. Ah, on le voit là, oui. Ah, mais attends, en fait, on les voit qu'on n'a pas la combinaison. Ah, bah voilà. D'accord. Ah merde. Ok, donc là ça marche pas. Ok, bon, c'est pas grave, on va recommencer. Ok, je voulais voir si vraiment on a quoi. Ok, ok. Ah oui. Thermal sensor. Ah merde. Putain, je pensais pas que ça allait... Ok. Je pensais pas que ça allait jusqu'à là. Pourquoi je les vois plus maintenant les lasers? Là je les vois mais what? Ok faut que je me mette là en fait. Ah oui oui c'est bon oui. C'est quand je prends le... C'est ça, oui, c'est ça, ça le mégot. C'est quand je prends le mégot de cigare qu'on voit. D'accord, oui, oui, donc c'est bien ça. On va regarder la combinaison au cas où. Ok, la carte rouge marche là. Ah bah voilà le bureau. Ça va être ça. Tac. Jericho was quite revealing. It had a map of the Kantor province with exact coordinates, an ambush plan, and a picture of the colonel with his name under it. Apparently their plan was to kidnap the colonel without leaving a trace. The second file of Operation Jericho was a compendium of coded numbers. It also had a map, so those numbers could be the coordinates of attack routes, or potentially the attack targets themselves. The first file was about an attack plan. Its code name was Operation Jericho. I couldn't find many details because it was encoded. But anyone could understand a chart about casualties. Its lines went all the way to the top. Before leaving the office, I called Harris to let him know that I found the files. Harris. Jesse here. Do you copy? I hear you. Hey. How did they catch you? I was in the outskirts of Katsala, taking some pictures of a bunch of military trucks. There was too much security. They were obviously hiding something. I couldn't clearly see what they were loading, so I got closer. Turns out, I got too close. Next thing you know, I was surrounded by a bunch of pricks, aiming rifles at my head. Did you at least manage to see what they were loading? Sure did, but I was disappointed. What did you see? Concrete. Non, mais il a déjà dit ça, du béton. Jesse here, over. Colonel, do you read me? Loud and clear, Fox. Colonel, I discovered a third document. Voilà. Good job, son. What's on it? Let me take a look at it. Interesting.
What was your name? Colonel. Votre nom. Why do you ask? Because your name is written here. Don't pull my leg, son. I'm serious, Colonel. It's right here. Damn. This means that they need me for their plan. Ok. Alors attends, je joue un truc. Est-ce que je peux taper ces citrouilles là? Je pense que celle-là, oui. Yes. L'autre, je pense pas. Donc on va laisser comme ça. Ah. Je vais mettre ça en raccourci, ça. Ah mais je peux pas passer. Faut que je passe en bas. Ah, attends, on va faire comme ça, lui en bas, lui on va le mettre en haut. Je fais comme ça. C'est technique, hein. Faut bien là où ils vont les faisceaux. Hop. Et là on est bon. Que je peux taper. D'accord. Merde. Putain, on a plein de piles. Oh. Je sais pas à quoi elles vont servir les piles, mais on en a. Hein. Putain. Carte du bâtiment alpha. Ah, c'est peut-être un truc important ça. Carte du bâtiment alpha. Troisième étage, ok, les trois étages. Je sais pas c'est quoi les carrés jaunes là. Il y a 10 carrés jaunes, c'est bizarre. Ok, bon, on a la carte. Hein. In the next corridor, I ran into. Quoi? DTC, GRD, MTN? C'est quoi ça? Je sais même pas ce que ça veut dire. Two detectors. Ah, détecteur. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Ok. Bah si, c'est grave comment je passe là. Je crois à trouver. Ah, je peux pas passer là. Ah si, là, putain. Il fallait voir qu'on pouvait passer là. Oh. Mais loul. Ouais, je peux pas les choper le truc. Oh merde. Putain, il va y en avoir tout le long des trucs là. Ok, ça passe. C'est qui lui? Attention, peut-être un boss. Hein. Merde!
Zut. C'est mon point vu. Ah, si. Par contre, j'arrive pas à tirer avec mon flingue là, c'est quoi ce bordel? Putain, j'avais pas vu qu'il y avait un faisceau laser, je l'ai pas vu. Mais quel blaireau. Bon, c'est pas grave, on est à côté. Là, c'était là, je crois. Là, là. Ah, il y en a deux en plus, quoi. Peut-être que je le prenne pas derrière. Jesus, you scared me. Mais fais peur. Sorry, I didn't think anyone was up here. Yeah, me neither. My name's Mike. Mike. You are. Mike. Il y a que des Mike dans le jeu, c'est trop marrant. Tu dis Mike, c'est bon, t'es tranquille. Tout le monde connaît un Mike. What an asshole. I'm gonna kick his ass so hard, he'll drop his level 3 access card and be stuck in this building. Where's his office? Really? Wow! It's right behind you. That's the door. The one with the lasers. Yep. Let me guess. Deadly lasers. Yep. Disintegrate you on contact. Je fais comment? Well, maybe another time then. Hold on. If we generate a small power surge in the right circuit, those lasers will shut down. Ah. Great. Let's do it. I'll need at least 12 batteries. Oh putain, 12 piles. We keep them in boxes on this floor. You get the batteries. I'll prepare the surge. Ah bah d'accord. On sait à quoi elles servent les piles. 12. J'en ai combien? J'en ai 10. Putain, 12 piles. Mais attends, mais comment je fais pour prendre les autres, moi? Parce que là, je peux pas les prendre, là. Je peux pas les prendre, les piles, là. Je peux pas taper dedans, là. Ah, attendez. Ah, avec le lance-pierre. Peut-être. Peut-être avec le lance-pierre, j'ai pas pensé, effectivement. Merde, non, pas là. Là, je pourrais pas, là. En bas, je peux. En bas, je dois pouvoir. Celui-là, je dois pouvoir. Ah, merde. Merde. Attends, on peut pas taper. Attends, on peut pas taper les citrouilles avec le lance-pierre? What? Parce que le truc, moi j'ai pris. Je crois qu'on a pris toutes les piles qu'on pouvait, quoi. Attends, on va essayer d'aller voir là-bas. Parce que là. Attendez, je vais être sûr. C'est qu'est-ce que je peux lancer sinon? Une pièce ridicule, ça marchera jamais. Putain, ça passe pas. Merde. Ah si, attendez, je peux me mettre là, peut-être. Non, je peux pas, mais c'est pas, je peux pas passer. Eh, mais attends, faire comment là? C'est chaud là. Putain, je vois pas du tout là. Là. Bah non, même là. C'est pas clair tout ça. C'est là, mais. Oh, y'a rien. Des boules. Y'a rien. Mais là, y'a rien, quoi.
Putain, comment je vais faire pour avoir des piles là? Oh. À moins qu'il y ait un passage secret que j'ai pas eu. Ah si, là je peux là. Yes, encore une. Ouais, par contre, pas simple votre truc là. Hein. Il y en avait avant? Je crois pas. Hein. En plus, ces piles elles sont que dans les citrouilles quoi. Donc bon. Ouais, ça a pas des murs secrètes. On joue à Dark Souls. Parce que là, on est d'accord que. Ouais. Et puis hop, peut-être sur les gardes. Hein. Quoi. Mais c'est des masos les mecs, comment ça se passe? C'est pas possible. Hein. Merde, il y a des piles que j'ai pas vues là. Est-ce qu'il peut en dropper? Hein, c'est trop dur quand il y a l'alerte. L'alarme. Attends, on va essayer d'appliquer qu'ils ont des conseils. This is where the offices should be. Search for more files. We need more intel. Midpool. Robert, still there? Yep. I think I just fell in love. Wow, seriously? Give me the deeds. Qu'est-ce qu'il raconte? I just met a woman. Fuck, what a woman. Ah, pff, faire de la fermière. Did you fall in love with her, or just her body? Both. Les deux. She hot? If you only knew, Robert, I swear, she's... Everything I've been searching for. I thought you were searching for a way out. I need to move. I'll tell you more later. Over and out. Merde. Oh putain. Je mets la combinaison. C'est chiant. Allez hop. Attendez voir. Est-ce que là. Si je me mets là. Ah non. Et le pire, non, c'est vrai, vous avez vu, il n'y a pas de pile. Hein. C'est même pas ça le truc. S'il n'y a même pas de pile dans le CC trouvé en plus. On va le voir. Donc les piles, je dois les trouver ailleurs. Hein. On en a trouvé une telle. Ouais. Avant, on a trouvé une, on était à 11. Il nous en manquerait une en vrai. Potentiellement. Mais la dernière, je sais pas où elle est. C'était où déjà? Je crois que c'était là. C'était pas celle-là. Ah non, ça je pouvais pas. C'est tellement bizarre de pas pouvoir. Avant. Ah oui, c'était là, je crois. Non, c'était pas là. Attends, mais c'est aléatoire leur truc ou. Mais non, y'a rien non plus. Je comprends pas là. Putain, c'est pas clair votre truc. Hein. On comprend pas ce que vous voulez nous dire là quand même. Hmm.
putain, c'est pareil, c'est quoi ça? Attendez. Option. Gameplay. Contrôle. Objet rond vers un. Recharger R1. Faut aller à un autre étage, hein. Je vois que ça. On va essayer de retourner aller au deuxième ou au premier. Parce que là, je vois pas. C'est où déjà là? Ouais, c'est... Ah non, c'est celui-là. Ouais, voilà. Ok. Il en manque une, hein. Que une. Il faut pas qu'elle est derrière la porte là, par contre. Parce que... Ouais, on peut plus monter en plus. On va essayer d'aller voir en bas. Hein. Mais bon. Parce que là, le problème, c'est que là, on connaît déjà. Et en bas, il y avait quoi déjà? J'étais où déjà? Je sais même pas si on était déjà venu là. Je pense que si, hein. Je me rappelle plus, on est déjà venu là. Merde. Ça a l'air que si, hein. Les casiers ont pété. Mais là, ça me dit rien par contre. Ah si, c'est qu'on avait. C'est là qu'on avait trouvé pour le. Pour faire le. Pour endormir là, les fioles, tout ça. On va essayer d'avoir le deuxième. Mais à mon avis, c'est tout au troisième. Je pense que c'est au troisième. Hein. Ça me paraît très bizarre qu'il me manque une pile et qu'il faut trouver là, mais. Le truc, c'est que je vois pas du tout où ça pourrait être, quoi. Ouais, mais non, c'est sûr que c'est pas là. Hein. Quoique. Mais non, celle-là, on a déjà tout fait là. Non, c'est... Je sais pas, il doit y avoir une citrouille que... qu'on doit pouvoir taper. Voilà, il manque la carte là, putain. Ça serait quand même dingue. Attends, faut pas qu'on... Et là, faut combiner ça. Non, je peux pas combiner ça. La carte, à quoi elle sert la carte? Les trucs jaunes, je pense, c'est les dossiers, ouais. Les carrés jaunes, c'est les dossiers. Il y a le plus. Je sais pas, c'est quoi le plus? Au premier étage. Ça c'est bizarre. En bas, mais je crois pas une seconde. On va tester.
Ah, peut-être là. Ah, il me voit pas, oui. Putain, c'est même pas ça. Putain, c'est même pas ça. Ah, peut-être lui, hein, finalement. Attends. Putain, ça serait vraiment des... Des enfoirés, quand même. Hein. Peut-être lui, ouais. Vu que je peux taper de loin. Ça va être ça, ouais. Mais y'a rien, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Où est cette pile? À la recherche de la pile perdue. Là, là, je vois pas du tout comment je pourrais faire là. Là, ça me paraît compliqué quand même. Ouais. Et c'est pas ça, y a pas de pile non plus. Vous avez vu. Ah, elle est là. Ok, elle est ici. La dernière pile est là, au milieu. Ok, au milieu des caisses. Donc c'est... On peut l'avoir celle-là. Je sais pas comment, mais... On l'a trouvé. Quel enfer. Ok, ok. J'ai comment... Ok, on a les 11 en plus. Ok, c'est la pile du milieu, donc. Putain, mais c'est galère, hein. Ça, c'est un genre de truc, tu peux vraiment rester coincé. Hein. Là. On peut prendre celle-là. Putain, mais comment je peux prendre celle-là, quoi. On va réfléchir, évidemment. Réfléchissons. Ah ouais, putain, juste au-dessus de la caisse. Mais non, parce que comment j'y vais? Au-dessus de la citrouille, ouais, mais comment j'y atteins? Attends, on est bien d'accord que je peux pas y atteindre. Coincé. Ah si, c'est bon par là. Oh là là, fallait voir, c'est abusé. Et voilà, c'est bon les gars. Putain, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une pile dans le jeu? Allez. Good. Hand them over. I'm ready here. Just gotta connect them to this wire and. Oula. Lasers deactivated. Nope. Shock my hands. Let's try this again. Let's try this wire instead. You okay? Quiz. Oula. Bye, lasers. C'est bon. It's gonna take a while to fix them, but no regrets. Totally worth it. Thanks, Mike. I owe you one. Nickel. Don't sweat it, Mike. We're even. On est quitte. Tout le monde s'appelle Mike. À notre sens. I was finally in front of the office door. On the other side, I could hear someone talking on the phone. Yes? I see. Are you sure about that? Damn! That's high treason! No, that won't be necessary. I'll deal with it personally. Okay. Qui parle? That was the officer with the access card I needed. J'avais besoin. But he was leaving through the other door, and the card had to be on him. What was he talking about? Who was the traitor? It wasn't long before I found out my answers. Hey Fox, are you there? Here I am, Robert. It looks like you're in some big shit, pal. I've been listening to some radio comms in. Does the doctor sound familiar to you? Yes. Why? Because I heard that someone is going to arrest him for treason. Damn it. I have to stop them. Careful, Fox. Don't panic. This shot could be a trap. Robert's call made my head spin. I left the office as fast as I could. It took me less than 2 minutes to reach the sick bay. Oh non. Ah, mais le plus, c'est où il y a l'infirmerie, justement.
Ah putain, mais il y a un temps. Oh non. Il y a un chrono, vite, il y a 2 minutes. Non. Oh, ils ont abusé. Tout ça pour aller sauver l'infirmière. Avec elle s'en fout de nous. Tiens, 1 minute 30, hein. Faut pas s'endormir, je vous le dis. Toi, ça me rappelait où c'était l'infirmerie, je crois, c'est au premier étage. On va regarder la carte au pire. Est-ce que le chrono il y passe quand on est dans le. Ah, pop. Mais pourquoi j'arrive pas à tirer avec mon... Attendez, mais... J'arrive pas à tirer avec le flingue. It wasn't wise to use weapons there. Si j'ai pas le droit de tirer avec mon flingue. Mais comment je vais faire pour passer là? Merde, la combinaison. Oh, on a eu chaud. Attendez. Merde, mais quel con. Ouais, c'est bien au premier étage, hein, à gauche. Ouais, c'est bon. Premier étage à gauche. Mais comment on va faire là, il bloque la route là, putain. En moins de 2 minutes. T'attends. Attends, on y va. C'est où qu'il y avait un raccourci là? Non, c'était pas ici. Attendez voir. Non, je confonds avec un autre étage. Parce que là, je fais comment quoi? Oh la vache, c'est chaud. Bah attendez, mais y a un problème là. C'est chaud là. Comment je passe là? En plus, ils sont face à moi, ils se tournent pas quoi. Le problème, c'est que j'ai pas le temps quoi. On a que 2 minutes. Trop bizarre. Putain, je réfléchis. Il me trouve direct, hein. Oh, le monde qu'il y a, quoi. Ok, il y a un truc à faire là. Attendez, si je garde la combinaison, peut-être qu'ils me reconnaissent pas. Est-ce qu'il y aura pas une connerie comme ça? On va essayer. Avec ce joue loufoque, c'est possible qu'ils ont fait ça. Ça m'étonnerait qu'à moitié, tu vois.
non. Ah, je vois pas. Ok, il s'en fout. Parce que le problème, c'est que les citrouilles, on est obligé de les casser au point, les citrouilles. C'est ça qu'on a vu. Donc je suis obligé de passer par là, je suis obligé de passer devant, quoi. Je vois pas comment je pourrais pas passer devant, en fait. Putain, alors là, franchement, je vois pas. Peut-être attendre qu'il se passe quelque chose, qu'il se barre, je sais pas. Pensez qu'il se barre pas. Ils ont balé, steak. Shot a guard. I couldn't let him die. I promised it to ouais, the doctor. Bah, s'en bat les couilles. I had to heal him before bleeding to death. So I got close and I used one of my first aid. Eh, j'ai mes soins, moi, il est fou lui. Ah, puis c'est moi qui est malade là. Y'a pas l'alarme. Faut vraiment que je les soigne. Bon, comment on soigne? Quoi? Mission jeu, vous avez tué quelqu'un? Mais quoi? Ça déchoue la mission en plus? Mais c'est une blague? Ah, oh, c'est nul ça par contre. C'est une blague. Mais je sais même pas comment on les soigne, c'est con. Oh non, ça c'est nul ça. T'es obligé de les soigner, les ennemis quoi. Parce qu'on a la première à l'infirmière. Ils sont sérieux là? Le pire c'est que j'ai essayé, je suis pas arrivé à les soigner, je sais pas comment. Ah, j'essaie au lance-pierre, mais putain c'est chaud au lance-pierre quoi. Parce qu'ils ils mettent l'alarme. Moi je vais tirer, tant pis. I shot a guard. Le problème c'est que moi je suis malade donc. Ah ok, c'est carré aussi ça. Ok. Vite. Putain c'est chaud. First aid kits. Luckily, elle était pleine, ouais, il faut jouer. Bah, ça, on y va là. J'espère qu'il n'y a pas d'autres gardes, hein, loul. Parce qu'on va être dans la nappe. T'as 40 secondes, ça va être chaud. T'as même pas le temps en fait. Putain. Oh, le timing il est serré. C'est où l'infirmerie déjà? Ah, c'est là. There they were. Robert was right. Those bastards were going to arrest their own doctor. Sons of bitches. I wasn't going to let it happen. Putain, c'était chaud, regarde, c'est deux secondes, même pas. I could hear shouting inside. Then I remembered what Robert told me about being careful. Nice, I held champion. Back my urge to kill and listened to the conversation. And why did you give him your access card? I did. Ah.
He took it from my jacket. But you did nothing to stop it! This is high treason! You're in deep shit, Dr. Hoffman! So, Dr. Hoffman? I'm surprised, Mr. Fox. You managed to remember a surname. Well, I had a neighbor named Hoffman. Big German man. Very rare. He won the lottery and was planning to retire, but his gonorrhea had other plans. Fascinating. Let's return to the story, please. Sure. Where was I? This is high treason. You're in deep shit, Dr. Hoffman. Good. Just testing if you were listening. You want a doctor that has no idea how to fight? Stop a man that knocked out all your guards? Are you really that stupid? Don't you dare insult my intelligence. I know you gave him medical attention. How many wounded have you healed, Lieutenant? I'll tell you, none. Why? Because your job is to be a paper-pushing butterbar. Mine, on the other hand, is to heal and attend to anyone who needs it, even if that person killed my family. Aiding the enemy in this base is treason. My oath has no restrictions on who I must heal. You want to arrest me? Then tell me, Lieutenant, who is going to save the lives of your soldiers if I'm in a cell? You? A man so incompetent that a prisoner is running circles around him? How dare you! Now stop pestering me and get the hell out of my sick bay! This isn't the end, Doctor. You're on thin ice. Man, she's one badass doctor. Ah, elle a des couilles, hein. And off he went, taking the level 3 card with him. I needed that card if I wanted to get out of this building. But before that, I had to check if the doctor was okay. Des sons, on a plus de sons. Oh, un lieu, ce massacre. Are you alright? Why do you ask? I found out you were going to be arrested, so I ran here to help. But I heard people shouting, and I saw those men walking out. That's Lieutenant Markison. All bark and no brain. I can't stand that moron. Really? I couldn't tell. But once he speaks to General X, I'll have some serious problems. You've dragged me into quite a mess. Sorry, Doc. I didn't mean to cause you trouble. Yeah, I know. Anyway, thanks for worrying about me. It's what I do. That Markison has a level 3 card on him. I'll understand if I see him in my sick bay later. You read my mind. See you around, Doc. Hang on. Oula. Embrasser. Allez, embrasser. Wait, what? Oh merde. Et deux tartes dans la gueule. What the hell were you doing? I was leaving for a hug. Bah quoi, tu viens vers moi. And you said kiss out loud. Sorry. Let's never speak of this again. Fine by me. You look tired. Take these first aid kits. Oh merde. Oh là. Thanks, Doctor. On a 6, nickel. Lieutenant Markison. If you shoot him, don't let him bleed to death. I'll be executed as an accomplice if he dies. Now go. Catch him before he exits the building. Ok, bon, c'est bon, on est full soin. Oh les baffes. T'as qu'à pas t'approcher de moi comme ça aussi. Bon, on va s'arrêter là, notre officier, avant qu'il parte. 30 secondes, what? Ça va être un boss? Ok, c'est un boss. The slippery, cowardly pet of that traitorous bitch. What's up? Is your conjugal visit over? I'm in charge of enforcing curfew, and only I can leave from here. Problem with a building this large? There are too many hideouts for a mutt like you. So, now it's just you and us, mutt. You can't run and you can't hide. Lieutenant Markison, Markison. Il faut que je les soigne aussi un plus eux. Ça va être l'enfer. Bon, mais attends. C'est Michel. J'ai plus de balles. Ok. 2 balles. You're a tough little mongrel, aren't you?
taper le bouton en fait, hein. C'est pas ce que je veux. Oh la vache! Il y a des lasers en plus. Il va être tendu lui. On va essayer de le faire avant de finir la vidéo. Avec voilà, avant de. Ouais. Avant la fin de la vidéo, il nous reste 10 minutes. Le problème, c'est les balles. Hein. Putain, je perds tout ça. Hein. Oh la vache, il va être tendu lui, oh là là. Et le problème c'est que je dois soigner les autres, ça c'est chiant ça. Il faut que j'aille en inspire avec eux. Oh un dieu. Oh putain que ça va être chiant ce combat là non. Putain! Oh, ce que j'ai pris! Avec ce gameplay moisi là! Oh, c'est de l'inspire, il est super bon! Je prends une balle, je suis blessé quoi! Oh, c'est chaud les mecs! Attention quand même! C'est le flingue. Il m'a touché. Faut pas que je me fasse toucher. Hein. Faut que je me sens à chaque balle à un moment donné. Oh bah attendez les mecs, calmez-vous là, oh. Calmez-vous les mecs, hein. Je prends une balle, faut que je me soigne, sinon je perds du sang. Putain, c'est naze ça. Ok, là je pense qu'on a eu de la chance. Ok, elle en est pas mal. Putain, il a la nerf. Ok, ouais, il va être chiant. Il va être très très chiant. Je pense que j'ai pas assez de balles de flingue. Donc, merci. Il y a que deux citrouilles à prendre. Il y a deux balles dans chaque truc, je crois. Ok, là, il est pas mal. Oh, elle est pas mal là. Oh, on l'a eu. Boss defeated. Yes. Juste avant la fin. C'est bon ça. Hein. Saloperie.
bastard. Death would be too good for you. La mort sera trop pour toi. Keep you alive, and you'll lie here on the ground until someone finds you. Everyone will know that a single prisoner defeated you. The best part? You'll be severely injured. I wonder how it'll feel being the patient of a woman you called a traitor. No! No! Ah, je peux pas le soigner. J'arrive pas à le soigner. Attendez, j'arrive pas à le soigner, les gars. Il y a un bug. J'arrive pas à le soigner, jeu de merde. Il doit pas que faut que j'en fasse le boss. Hein. Oh, faut que j'en fasse le boss. Oh, les trous de balles. Il y a un bug, j'arrive pas à le soigner, les gars. J'ai fait carré, ça marchait pas. Oh, faut que je refasse ce boss. Ok, je vais rage-quitte le jeu, les gars. Je vais rage-quitte le jeu. Je peux pas faire ça, les mecs. Vous avez pas le droit de faire ça, les mecs. Jeu de merde. C'est pas possible. Bon, on va arrêter là. Putain, je suis dégoûté. Ça c'est le genre de truc qui peut faire rage quitte le jeu, je vous dis franchement, les mecs. Hein. Ça, c'est pas possible de faire ça. Bon, c'est pas grave. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits j'aime, des commentaires. Et puis, voilà, rendez-vous pour la suite, peut-être. Portez-vous bien, et bye bye.